L'ancien premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a été condamné à 10 ans de prison ce mardi. L'ancienne star du cricket était accusée d'avoir divulgué des documents classifiés, tout comme son ancien chef de la diplomatie, qui a écopé de la même peine. Cette annonce de son parti intervient à 10 jours des élections législatives et provinciales qui doivent se tenir le 8 février prochain. Imran Khan, qui bénéficie toujours d'un large soutien populaire, a été déclaré inéligible pour une durée de 5 ans. Évincé de ses fonctions par une motion de censure il y a près de 2 ans, il accuse l'armée, qui l'avait aidé à accéder au pouvoir en 2018, de chercher à l'empêcher de reprendre la tête du pays. Arrêté en août dernier, Imran Khan est toujours incarcéré et doit répondre d'accusations dans plusieurs autres affaires.